In this video, we're going to take a short scene from Asterix et Obélix, Mission Cléopâtre, and break down the French so that it's easier to understand. In this scene, the architect Numerobius has just been commanded by Cleopatra to build an enormous palace for Caesar in only 3 months. His scribe Otis comes running up to meet him. Let's start by watching the clip, and then we'll break it apart. Patron, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais c'est pas tout prêt. Tiens, regarde, j'ai pensé à une sorte de machine qui permettrait de monter au sommet des pyramides, en fait. Otis, on peut en parler un petit peu plus tard. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes, patron ? Je mesure. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici, sur tout ce terrain. De là à de là. Oh, c'est déjà du bon palais, là. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Okay, the dialogue here is really fast and informal. Let's break it down. Otis comes running up, screaming, patron, patron, which means boss. Patron! Patron! J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais c'est pas tout prêt. Hein. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. I did as fast as I could, literally. In other words, I came as fast as I could. Mais c'est pas tout près, hein. But it's not that close, huh? Tout près means nearby. Mais c'est pas tout près, hein? J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais c'est pas tout près, hein. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais c'est pas tout près, hein. Tiens, regarde. Tiens, regarde. Here, look. Tiens, regarde. Tiens, regarde. J'ai pensé à une sorte de machine. J'ai pensé à une sorte de machine. I thought of a kind of machine. J'ai pensé à une sorte de machine. J'ai pensé à une sorte de machine qui permettrait de monter au sommet des pyramides, en fait. Qui permettrait, which would permit, de monter au sommet des pyramides, en fait. To climb to the top of the pyramids, in fact. Qui permettrait de monter au sommet des pyramides, en fait. Qui permettrait de monter au sommet des pyramides, en fait. So all of this is a kind of a joke on the name Otis, which is actually the name of a company in France that makes elevators or lifts. Otis. Numerobius then responds. Otis, on peut en parler un petit peu plus tard. Now, this is tough to understand. It's really mumbled. Numerobius speaks with an exaggerated Maghrebi accent, and he speaks really fast. His voice is part of the humor of the movie. What he says here is, Otis, on peut pas en parler un petit peu plus tard. Otis, on peut en parler un petit peu plus tard. On peut pas, can we not, en, about this, parler un petit peu plus tard. Speak a little bit. Later. Can't we speak about this a little later? On peut en parler un petit peu plus tard. Notice that he says un petit, for un petit peu. On peut en parler un petit peu plus tard. On peut en parler un petit peu plus tard. Ouais. Ouais. Yes. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes, patron? Qu'est-ce que tu comptes, patron? What are you counting, boss? Qu'est-ce que tu comptes, patron? Je mesure. Je mesure. I'm measuring. Je mesure. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Again, this is really mumbled and mixed together. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Cleopatra asked me to build a palace for Caesar. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici. Ici. Here. Ici. Sur tout ce terrain. Sur tout ce terrain. On all this land. Sur tout ce terrain. Sur tout ce terrain. De là à de là. De là à de là. From there to there. Now, this is technically incorrect and is part of the joke. Numerobius doesn't speak very well. It should be de là à là. De là à de là. De là à de là.
Oh, c'est déjà du bon palais, là. Bah, c'est déjà du bon palais, là, hein? Well, that's already a good palace there, huh? That's the literal translation. It's hard to translate this directly into English, but it's something like, well, that'd be a pretty big palace, huh? Oh, c'est déjà du bon palais, là. Oh, c'est déjà du bon palais, là. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Cleopatra wants that it be modern and audacious, or daring, literally. Cleopatra wants it to be modern and daring. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Okay, let's watch this through once again, now with transcription and at a reduced speed. Attends! J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais c'est pas tout près. Tiens, regarde! J'ai pensé à une sorte de machine qui permettrait de monter au sommet des pyramides, en fait. Otis, on peut en parler un petit peu plus tard. Ouais? Qu'est-ce que tu comptes, patron? Mesure. Je veux pas te demander de construire un palais pour César. Ici. Sur tout ce terrain. De là. À de là. Oh, c'est déjà du bon palais, là. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. And finally, let's watch it one more time at normal speed. Patron! Patron! J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais c'est pas tout près. Hein. Tiens, regarde, j'ai pensé à une sorte de machine qui permettrait de monter au sommet des pyramides, en fait. Otis, on peut en parler un petit peu plus tard. Ouais? Qu'est-ce que tu comptes, patron? Mesure. Je veux pas te demander de construire un palais pour César. Ici. Sur tout ce terrain. De là. À de là. Oh, c'est déjà du bon palais, là. Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Watching films in another language can be really challenging, especially when the speech is fast and mumbled, as a lot of these lines are. You may need to watch this a few times before it really starts to soak in. Hopefully, breaking it down in this way will start to make these kinds of movies more accessible to you in French. If you enjoyed this video, please like, share, and subscribe to our channel for more videos. And check out linguisticator.com for our full courses in French and memory. Merci et à la prochaine!